Salut à tous, c'est Zouz25, je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter mon setup gaming, donc là où je fais des vidéos et tout. Alors du coup on va commencer, ça c'est le même ordinateur que mon ancien setup, un HP. Donc voilà, avec un Intel Pentium, voilà un petit HP bas de gamme, tu vois, je vais pas te mentir. Tu vois, ça il sert toujours bien, tu vois, avec la batterie des fois, tu vois, je le prends. Donc après... Là, j'ai ma PS4 Slim. Dans la dernière vidéo, setup, elle était toujours là. Ça fait 4 ans que je l'ai, du coup. Avant, elle avait un disque dur de 500 Go. Dedans, j'ai remplacé. J'ai mis un disque dur de 2 Tera. Donc, elle marche toujours aussi bien, ma PS4. J'utilise encore de temps en temps, vu que maintenant j'ai mon PC. Ensuite, là, j'ai mes deux manettes. Ensuite, là, j'ai un écran Asus 27 pouces. Donc, tous les liens seront en description. Ce que je peux mettre, ce que je trouve. Après, ça c'est un vieil écran Asus, tu vois, qui me sert en double écran pour Discord, pour quand je stream, pour Streamlabs et tout. Ensuite, là j'ai un tapis de souris Corsair. Voilà. Là c'est mon ancien téléphone, un Samsung Galaxy J1. Voilà. Il marche toujours aussi bien. Donc là en clavier j'ai un SteelSeries Apple Apex 5. En souris, j'ai un Logitech G502. En casque pour le PC, j'ai un Corsair. Ensuite, là pour la PS4, j'ai un TUF Gaming. Ensuite, là ici, c'est mon PC. Donc voilà. Donc dedans, j'ai un Intel Core i7 10700K, 32 Go de RAM, une carte graphique Asus RTX, 32 Go de RAM de Corsair. J'ai pas précisé. Ensuite en carte mère j'ai une MSI, en alimentation j'ai une Asus ROG de 750 watts. Après le boîtier c'est un couleur master. Puis là c'est mon disque dur externe que j'avais toujours. Donc voilà, ça c'est pour le PC. Ensuite là j'ai ma tour de son que j'ai toujours depuis la dernière fois. Ensuite là j'ai mon siège à Audi. Là j'ai mon volant avec le levier de vitesse. Puis le pédalier. Voilà pour la partie setup, on va dire. Avec un poster BM avec une M2 et une M3. Il est magnifique ce poster, j'adore. Ensuite, là j'ai un bateau. Un bateau que mon papy m'a fait. Voilà, il est magnifique. Après, là j'ai un petit plan de travail. Ça, c'est l'ancien plan de travail de chez Ikea. Là j'ai deux blocs de bureau Ikea. Puis ça, c'est un plan de travail Ikea que j'en ai racheté un parce qu'il est plus grand. Donc voilà. Ensuite, là un petit canapé, tu vois. Des fois quand je suis avec des potes ou... Ensuite là, la carte de Red Dead Redemption. Ah, attends, ça fait flou. Voilà. Carte de Red Dead Redemption qui est dans le... C'est que dans la boîte avec le CD. Poster GTA V. La carte de GTA V. Ensuite là ici, c'est là où j'ai toutes mes boîtes. Donc voilà. Donc le clavier. Actuellement, mon téléphone c'est un Samsung Galaxy A21s. Voilà. Ensuite, là. Ah oui, ensuite j'ai ça en SSD que je mets sur la carte mère et l'autre SSD où je stocke tout. J'ai un SSD de 2 Tera sur le PC, j'ai oublié de préciser. Donc voilà. Ensuite, là, ici j'ai. Ici la voiture de Fast and Furious à gauche, la bleue. De Fast and Furious 6, je crois. Ensuite, une de chevaux, tracteur, Gator, trois voitures téléguidées, mon ancien clavier et mon ancienne souris. Après, là ici, j'ai mon ancienne télé de chez Linzar, que je n'utilise plus maintenant vu que j'ai mes écrans. Puis là, un petit peu de rangement. Puis voilà. Voilà, voili voilou. Après, là, j'ai rien sur le mur, il faudra que je mette quelque chose. Ça fait un peu vide. Donc voilà, puis après... Après là en dessous j'ai mis toute la bouillie de câble là avec des LED. Des LED qui est derrière, juste derrière. Donc voilà, toute la petite bouillie de câble en câble management que j'ai essayé de faire moi-même. C'est pas très optimal mais disons que j'ai essayé au moins. Puis voilà. Bon je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, ça ferait extrêmement plaisir. Allez, bye bye!